meeting. J'attaque un nouveau kit aujourd'hui. Donc le kit que je vais attaquer aujourd'hui, ben, ça va être la cascade. Voilà, vous étiez plusieurs à aimer ce kit. La Fifi qui passe devant l'écran comme d'habitude. Alors, j'avais demandé à mon mari, parce que lui il va bientôt avoir fini le sien, et comme là en ce moment, ben là je recommande pas de kit pour l'instant, puis en plus, ben voilà, soit. Et je lui ai demandé s'il voulait faire un autre kit que j'avais encore en haut, ou s'il voulait faire le Johnny Hallyday. Et bien sûr, il m'a dit non, je fais Johnny Hallyday. Voilà. Donc, lui va faire le Johnny Hallyday quand il aura terminé le sien, qui va bientôt se finir. Et mais je lui ai dit, mais attention, tu fais le kit Johnny Hallyday, mais je vais devoir te le filmer. Il m'a dit, oui, tu vas filmer comme tu fais avec toi. J'ai dit, oui, oui, mais je vais filmer. Voilà. Donc, quand il se sera mis à faire le kit Johnny Hallyday, je filmerai aussi pendant qu'il le fait. D'ailleurs, ça m'étonne, vous n'en avez pas parlé dans les commentaires, mais sur la dernière ou l'avant-dernière vidéo, sur la vidéo de la fée, je crois, ou de la peinture numéro, je ne sais plus, je vous ai filmé et je voulais filmer mon mari en train de faire son diamond painting. D'ailleurs, il n'était pas content. Pardon. Et vous ne m'en avez pas parlé. Donc, vous n'avez pas dû faire attention. Donc, voilà. Donc, dès qu'il commence le kit... bah alors, mes oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont? 9h30 du soir, ils crient encore. Donc, quand il fera Johnny Hallyday, je filmerai aussi son évolution sur le kit. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, j'attaque celui-là. Je vous remontre. Non, pas chat. Attends. Là, hop, 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 il est immense. Vous voyez. Donc, celui-là, il mesure... 45 cm sur 85. Tu veux venir? Prends. Oui, mais tu es lourd. Hein? Oh, yes. Voilà. Voilà. Oui, mais mets-toi bien. Voilà, donc il fait 45 cm sur 85. Donc, je vais en avoir pour un petit moment. C'est des perles rondes. Ce n'est pas des références DMC sur celui-là, donc c'est juste des références 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Il y a 24 couleurs. J'ai déjà préparé mes perles, les voilà. Vous voyez, donc il y a de jolies couleurs. Donc là, tous mes casiers sont remplis à ras-bord parce qu'il y a beaucoup de perles et j'ai dû d'ailleurs. Voyez, faire ma réserve dans un tupperware parce que j'ai encore des perles sur le côté. Et les sachets étaient tellement gros qu'un sachet complet ne rentrait pas dans les petites cases, dans les petits pots. Voilà. Pacha, voilà, tu as dit bonjour. Maintenant, maman, elle va te reposer parce que je voudrais montrer les choses. D'accord? Bisous. Oui, bisous. On ne veut pas faire de bisous. Allez, voilà. Donc, je vais utiliser sûrement celui-là. J'ai sorti la petite pince dorée que j'ai eue à Coralie, hein, à mes petits diams. Voilà, la boutique mes petits diams. J'ai sorti aussi celui-là, malgré que je n'aime pas. Parce qu'on m'avait dit que sur les ronds, il allait mieux, donc je vais essayer sur les ronds, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai toujours pas fini mon carré de glu, donc je le continue.
Et j'ai sorti plusieurs plateaux. Voilà. J'ai trois verts, j'en ai trois blancs. Alors vous allez me dire pourquoi. Je vais vous montrer. Donc, parce que voilà. Ici, vous voyez, bon, ça va, il va y avoir du blanc, encore du blanc. Mais là, vous voyez, par exemple, il va y avoir beaucoup de changements de couleur. Vous voyez ? Donc, au lieu de... là, cette technique-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Alexandra qui me l'a conseillée. J'ai dit, tiens, oui, c'est une bonne idée. Donc, je vais mettre plusieurs plateaux devant moi avec le petit numéro pour pas me planter. Et comme ça, au lieu de vider mon plateau, remettre, revider, remettre, revider, remettre, ne faire que ça, perdre un temps fou et puis me prendre la tête, je vais mettre devant moi les petits plateaux que j'aurai besoin sur le carré que je vais faire. Et avec les petits numéros devant. Et puis comme ça, je n'ai plus qu'à piocher. Et quand j'aurai fini ce carré-là, ben, je pourrai ranger les perles qui restent. Voilà. Ça va m'éviter de prendre, de remettre. Voilà. Au moins, je pense que ça ira plus vite. Voilà. Donc Alexandra, je fais ta technique ce soir. Je te dirai ce que j'en pense. Donc ici... C'est un film plastique transparent, hein. Donc là il n'y aura pas de bande à défaire puisque c'est un plastique complet. Voilà, donc sinon, comme je vous ai dit, ben, il y a 24 couleurs. Elles sont ici. Voilà. Je vous remets ici en bas le nom de la boutique qui m'avait offert le kit. Voilà. Encore merci beaucoup. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, en barre d'infos, vous retrouvez toutes les coordonnées du site internet pour retrouver le kit, etc. Comme d'hab, comme d'habitude. Donc, je vais mettre le téléphone en place pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Et puis, je vais attaquer ça, voilà, tout en regardant Top Chef. Allez, on attaque. Je reviens une seconde pour vous montrer. J'ai préparé mes petits plateaux, voyez, comme ceci. Voilà, donc j'en ai préparé 6, parce que là, bon, j'en ai pas plus de sur moi. J'en ai encore en haut, mais... Voilà, et donc comme vous voyez, j'ai mis l'icône, enfin pas le symbole, pardon, et la référence de la perle. Voilà, donc ça je vais les mettre devant moi, et je n'aurai plus qu'à les prendre pour faire déjà mon petit coin. Voilà, allez, je baisse maintenant, à tout de suite.
Recoucou. Alors voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'ai fait quoi? Une petite heure et demie. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est pas beaucoup en une petite heure et demie. Voilà. Alors, je vais monter un peu plus près. Ce que j'ai fait. Je fais ma lampe. Voilà. Donc voilà, et alors ce que je pense des perles rondes, puisque j'en ai jamais fait, des comme ça surtout, ça va, ça va, ça se met bien, ça colle bien, j'ai plus de voix, pour l'instant ça va très bien. Donc là, demain soir, je continuerai à remplir ce morceau-là avant de partir comme ça. Voilà. Donc, voilà la première partie. Bon, là, il va y avoir beaucoup de parties hein, sur ce kit-là. mais bon, je pense que je vais pas vous... je crois que je vais pas vous faire... une vidéo à chaque petit morceau. Je vous ferai des vidéos plus par grande partie. Voilà, enfin, si vous comprenez ce que je veux dire. Et comme ça, pour que vous ennuyez moins quand même. Colle bien, c'est bon. Donc voilà pour aujourd'hui. La technique de faire plusieurs plateaux, c'est pas mal. Ça permet d'avancer plus vite. C'est vrai que justement, pour des parties comme ça, où il faut beaucoup, beaucoup changer de couleur, c'est vraiment quand même beaucoup mieux. Voilà. Après, quand cette partie-là sera faite, là, après, ça ira beaucoup mieux. Il y aura moins de parties. Ça fera un petit peu en bas, même pas, non. Non, c'est surtout ce coin-là. Donc, quand ce coin-là sera fait, après, je serai tranquille. Voilà. Donc, voilà, pour aujourd'hui, je pleure. Ouh. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite, même vu l'heure, il est 23h. Mais bon, quand vous verrez, il ne sera pas à cette heure-là, hein, normalement. Donc, je vous souhaite soit une bonne soirée, soit une bonne journée. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.